I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Oui, alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast Season 5. Je suis Nostradaben et j'anime cette émission en compagnie de Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Yes. Ça va bien, il paraît que c'est un spécial légende aujourd'hui. Yes, c'est un spécial légende avec nul autre que... Yes! Hey, ça fait longtemps qu'on l'attend, celle-là. C'est un gars qui nous a fait triper en tabouère. Hein. Ouais, côté entertaining, il est dur à battre. Hein? Il était vraiment difficile à battre, honnêtement. En d'autres cas, on pourra en parler pendant 2 heures. Mais écoutez, on va essayer de faire ça quand même assez simple. Puis, je pourrais même dire qu'il a battu le record de Jésus. Hein. Jésus a ressuscité une fois, lui, il a ressuscité quoi, 15 fois, en d'autres cas? Ah ouais, pas loin de ça. Puis, maudit qu'il nous a fait triper. Yes! On croyait au personnage. C'était très crédible, entertaining. Bon lutteur aussi. Yes! De son vrai nom, Mark Calloway, ouais. Né à Austin, au Texas, qui a actuellement 59 ans, a commencé sa carrière de lutte à la World Class Championship Wrestling. En fait, il me semble qu'on connaît ça, ce territoire-là. Yes! Fritz Von Erich et ses garçons. Exactement, où il a commencé aussi par la suite à se faire connaître avec la WCW. Min Mark Calloway. Yes, Min Mark Calloway. Malheureusement, dans ce qu'on a vu sur Internet, dans ce qu'on a entendu, il ne plaisait pas aux dirigeants, ils l'ont congédié. Ouais. Mais ils doivent le regretter un peu. Ouais, c'est sûr. Moi, être dans le pot, je le regretterai à bataille. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis, oui. Tu sais, ils sont arrivés avec un personnage qui fitait parfaitement avec l'homme qui est Mark Calloway. Donc, voilà. C'est un gars, c'est ça, un gars qui a toujours été. Ça a toujours été à 100% le personnage. Là. Ils ont toujours su quoi faire avec. Puis, il n'a jamais jobé. Il a toujours été en push. T'sais. Oui, puis. Ben, le charisme que ce gars-là pouvait avoir. On parlait de son ascension au WCW au début, avant sa grande carrière. Ben, tu te souviendras, Ben, que son manager, c'était Paul Heyman. Oui, Paulie Dangerously à l'époque. Yes. Et lui, d'ailleurs, aussi s'est fait congédier par la WCW et que les autres tout doivent le regretter. Exact, exact. Alors, ben, c'est au début des années 90, Ben. On ne se le cachera pas, c'était au Survivor Series où le Million Dollar Man Ted DiBiase avait une surprise, un membre de l'équipe des millionnaires qui était manquant. Donc, il a été introduit par le Million Dollar Man. Il a été accompagné sur le bord du ring, pas par Paul Bearer au début. Par le frère de l'amour, The Brother Love, Bruce Prichard, mesdames et messieurs. Exactement. Et puis, on ne se le cachera pas, Undertaker a fait belle figure dès le départ. Oui. Le tombstone à Coco Beware, c'était ça. Coco Beware. Puis, j'ai lu plein de choses que le premier tombstone, là, c'est un vrai tombstone. Oh, oui, je sais. Ouais. C'était assez. Tu sais, la tête à Coco Beware a touché à terre, là. Puis ils se sont parlé backstage, puis Mark Calloway s'est excusé parce que c'était la première fois qu'il faisait un tombstone. Mais ça reste que par la suite, il y a eu des beaux combats. Là, Undertaker, là, il y a eu avec Superfly Jimmy Snuka. Le WrestleMania 7, où c'est que c'est. On peut dire que c'était un squash. Oh, ça ne dit pas long. Hein. Mais quand même, ça devait être une belle opportunité pour un gars comme Undertaker d'affronter une des grandes légendes des années 80. Tout à fait. Une légende déchue parce qu'avec l'affaire de Nancy Argentino, c'est pour ça que je l'ai dit comme faux. Yes. Et puis, il y a eu aussi. Le spécial Snuka d'ailleurs, que vous pouvez l'avoir. Yes. Et, ainsi va la vie. Donc, Undertaker a franchi les décennies comme personne d'autre. Affrontant les plus grandes légendes telles que l'Ultimate Warrior,
Jake Roberts, Hulk Hogan, Sid Vicious, Bret Hart. Dois-je ajouter qu'en 1991, la Feud of Years Pro Wrestling Illustrated, c'est contre Ultimate Warrior. Ouais, ok. Ouais. C'est intéressant de savoir ça. Et puis, ben après 92, 93, quand, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, quand est-ce que Paul Bearer est arrivé dans le décor d'Undertaker à peu près? Il est arrivé quoi? Dans le courant de l'année 91? C'est-tu dans le coin du Rumble, un petit peu avant, un petit peu après? Là, mais en tout cas, ben, à WrestleMania 7, il était là, Paul Bearer. Ça, je peux le confirmer. Ouais. Parce que Brother Love, c'était comme une transition, là. Oui. L'accompagner peut-être un mot ou deux, puis après ça, là, Paul Bearer. Oui, puis dans le coin, ben, en fait, c'était pour la feud The Undertaker avec The Ultimate Warrior, où là, ils ont créé ensemble le fameux Funeral Parlor segment, tu sais, où je sais pas si tu te souviens, il y avait enfermé Undertaker dans. Ultimate Warrior. Oui. Il avait mis des clous, ouais, c'était débile. Ouais, il avait barré, puis tu sais. C'était le fun parce qu'à cette époque-là, ben, il y a eu plusieurs segments comme ça qui sont nés. T'sais. Ça a donné beaucoup d'exposure à certains, puis ça a donné beaucoup d'idées, d'innovation. Je pense aux Snake Pits, je pense aux Piper's Pits, je pense aux Barbershop, je pense à. Il y en a sorti plein, puis ça a mis plein de monde over, puis ça l'a fait en sorte d'amener les storylines à un autre niveau, tu sais. Puis de pouvoir jouer un petit peu avec tout ça, tu sais. C'était tellement bien pensé que, tu sais, par la suite, Jake the Snake a pu feuder avec, avec le Warrior. Il a pu avoir plein de choses en lien à ça, tu sais, on se souvient qu'à l'époque, il y avait eu comme l'espèce de partenariat entre Undertaker et Jake Roberts, là, t'sais. D'ailleurs, quand Undertaker a fait son face turn, c'est dans le coin du segment que le fameux serpent mord le bras Macho Man. Oui. Il arrive pour fesser Macho Man avec une chaise, il retient la chaise, Undertaker, puis il vire face à partir de là. C'est ça. Pour revenir à Paul Bearer, il était accompagné de sa fameuse urne qui détenait les pouvoirs de l'Undertaker. Tout à fait. Il était invincible et était indestructible avec cette urne. C'est ça. Et puis, par la suite, ben, il y a eu des combats qui n'ont pas nécessairement toujours été très bons. Là. Si on continue un petit peu, il y a eu... on ne se le cachera pas, là, le match à WrestleMania 9 contre le géant Gonzalez, c'était mauvais en crise. Non, je pense que c'est le pire match d'Undertaker à WrestleMania. Ouais. Honnêtement. Ils ont fait la pluie et le beau temps, lui et Paul Bearer, honnêtement, un peu partout, là, au Canada, aux États-Unis, même jusqu'à Puerto Rico, si je ne m'abuse. Là, ils sont promenés pas mal. Ils ont vraiment fait le tour du monde. Là. C'était une grosse machine. Jusqu'au jour où Ted DiBiase est comme revenu un peu dans le décor. Ouais, ben ça, c'est après WrestleMania 10. Ouais. Parce que WrestleMania 10, Undertaker était blessé, il n'a pas pu lutter. C'est ça. Et puis, il y a eu la fameuse. Il y a eu le mirror match. Ouais, en fait, là où Ted DiBiase a amené un faux Undertaker qui était interprété par qui? Un des Harris Brothers. Oui, c'est Chase Disciple of Apocalypse. Parce qu'Undertaker, il est comme mouru au Royal Rumble. Il l'a renfermé dans le casquette. Ben il est comme ressuscité. En parlant de casquette, ça aussi, c'est une belle innovation. T'sais. On se souviendra qu'Undertaker a créé de toutes pièces des stipulations de combat. T'sais. Pas mal. Ça a commencé avec les casquette match où là, il y a eu des combats où le gagnant devait... mettre dans une tombe son adversaire. Ça a commencé avec Kamala. Il y en a eu avec Yokozuna. Ouais. Il y en a eu avec Mankind. Il y en a eu avec Kevin Nash. Un peu plus tard, Mark Henry avec WrestleMania 22. Oui. Puis il y a eu aussi les fameux Buried Alive match où c'était... T'entends ton adversaire. Là, c'était pas rien. Puis... Mick Foley et Undertaker avaient une superbe, de belle complicité, puis aussi, on va s'entendre, tu sais, c'était des machines à cash. Ah oui. Fait que, tu sais,
il y avait vraiment genre le feu vert. Puis il y avait vraiment plus de chance un peu que les autres sur le côté créatif de la WWE. Surtout le fameux LNSL. Oui, le fameux NSL de 98 et qu'on va se souvenir, qui restera marqué dans les entrailles de l'histoire de la lutte professionnelle. En tout cas, surtout dans l'Attitude Era, de l'époque où c'est que tout était permis. D'ailleurs, Match of the Year en 98 dans le Pro Wrestling Illustrated. Oui, tout à fait. On comprend pourquoi, les risques que Mick Foley a pris là-dedans. C'est drôle, Hulk Hogan récemment a écrit un message en disant que Mick Foley n'était pas un lutteur, mais qu'il était un stuntman. Ben, avec les bombes qu'il prend, un peu comme Shane McMahon. Un peu comme Shane McMahon. En haut du stage, sac en bas. Ouais, mais tu sais, il s'est excusé là, par la suite là, en disant que oui, c'était un lutteur, mais avant tout, on se il y avait un minimum de lutte aussi. C'est ça, mais c'était un stuntman. C'était un gars qui prenait il faisait des cascades pratiquement à tous les, les combats. Qu'est-ce qu'il dit Jim Ross dans Beyond the Mat? S'il manque pas de studio de se blesser gravement, il a l'impression d'arnaquer le fanatique pour le prix. Exact. Et puis, ben. Ils ont eu des très grandes feuds. Il y a eu aussi, tu sais, on parlait d'innovation et de stipulation de combat. Ben, tu sais, moi, ce qui m'a marqué beaucoup à cette époque, c'était le combat là, dans l'arrière. Comment ça s'appelait? Buried Alive, c'était les. Locker Room. Le Locker Room match, ouais. C'était vraiment cool. C'était un des premiers, en réalité. Que... Ça, c'était-tu au King of the Ring ou ben, au SummerSlam 96, je ne me rappelle pas. C'était dans un locker, ça, oui. Ouais. C'est au Survivor Series, ma sœur. Ça se peut. Je sais qu'il y a une fois que c'est Paul Bearer qui a trahi Undertaker, il l'assomme avec la urne. Oui. Ça, ma sœur, c'est SummerSlam. Ça se peut. Ça s'appelait comment déjà? Locker Room. Ouais, j'ai pas d'informations. Mais c'est pas grave, je vais l'avoir l'information. Locker Room Match. C'était ça? Ma sœur, c'était pas comme ça, ça s'appelait. En tout cas, c'était un match backstage, là, dans les coulisses. Oui. Mon Dieu, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça va sûrement me revenir. On peut parler d'une stipulation qui... C'était pas dans un In Your House? Non, hein? Non, c'était pas dans un In Your House. Une stipulation, là, ça s'est fait peut-être 3-4 fois. Là. Yes. C'est l'Inferno Match avec Kane. Ben oui, en fait, juste avant, j'aimerais ça qu'on parle que Undertaker a eu des très grands combats avec Shawn Michaels. Ah ben oui. Puis d'ailleurs, il y a eu le fameux match, le premier LNSL. À Bad Blood, quand Kane arrive, justement. C'est ça, où est-ce que le frère d'Undertaker revient avec Paul Bearer et qui arrache la fameuse porte des cellules, puis il l'arrache en esti, je sais pas si tu viens. Il fait un tombstone. Yes, puis à partir de ça, ben c'est le fun que une grosse légende de la lutte professionnelle comme ça est capable de donner une partie de son flambeau à un autre lutteur puis faire en sorte que ce lutteur-là devienne aussi un larger than life. On se souviendra qu'à l'Attitude Era, mon ami, Kane, c'était une machine à cash, là, tu sais, lui aussi. Là. Grâce à ça, Kane n'est pas resté dans l'ombre d'Undertaker. Non, c'était pas le Marty Jannetty de Shawn Michaels. Je sais qu'il y a du monde qui a l'air de penser ça, mais... Ou bien le Virgil de Ted DiBiase. Ou bien le... Stevie Ray de Booker T. Le Stevie Ray de Booker T. Très belle entrevue d'ailleurs. Yes. Et on se souviendra que l'un des Match of the Year, on en parlait avec Shawn Michaels, ils ont fait un Match of the Year, si je ne me souviens pas, plusieurs Match of the Year ensemble. Ben, WrestleMania 25-26. C'est ça. Match de retraite à chambre, d'ailleurs. Exact. Le Undertaker fait un dive et qui tombe sur le caméraman. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, WrestleMania 25. Ben, ça. Puis un autre Match of the Year, c'était avec Triple H à WrestleMania 28. Dans le fond, WrestleMania 27, c'est pas un Match of the Year, mais Triple H essayait de venger son ami Shawn, qui était parti à la retraite parce qu'Undertaker l'avait battu, mais il a échoué à deux reprises. WrestleMania 27 à Atlanta. Yes. Et WrestleMania 26 au Sun Life Stadium. 28, pardon. Sun Life Stadium de Miami. Par la suite, si on y va rapidement, je me souviens aussi que Undertaker avait affronté des grandes légendes là, comme Randy Orton. Il a fait aussi. Edge et Undertaker, ils ont fait le One Night Stand aussi.
Non, le One Night Stand, là, c'était Edge puis Mick Foley. Edge puis Mick Foley en équipe contre Tommy Dreamer puis Terry Funk. One Night Stand 2006. OK. Ah oui, c'est ça. Exact, t'as raison aussi. Je suis mêlé comme un jeu de cas. Par la suite, dans le fond... c'est beau, ça. C'est le, ça. OK, je pensais que tu parlais des premiers ECW One Night Stand. Là, tu parles du WWE One Night Stand, excuse-moi. Oui, c'est ça. Mais clique donc dessus, juste pour l'année, pour être sûr. Cliquez sur le... Ça doit être 2008. Ah, c'est ça, c'est 2008. C'est 2008. Okay. Et est-ce que vous avez... Non, il n'y a pas de problème. Disons que je n'ai rien dit. Non, il n'y a pas de problème. Puis, ben, tu sais, il y a eu les Survivor Series, il y a eu contre... il me semble que c'était contre... C'était pas contre Sean, là. C'était Big Show, hein? Dans un casquette match contre Big Show. Des filles de Big Show et ouais, casquette match. Oui, c'est ça. Et puis, ben, tu sais, Undertaker a continué sa streak, comme on peut dire. Jusqu'à quand, mon ami? Ah, qu'il l'a conservé. Mm-hmm. Jusqu'à WrestleMania 29, il a viré 21-0. À WrestleMania 30, Brock Lesnar qui l'a battu. Tout le monde était bouche-bouille. Ben oui, on se souviendra que tu sais, c'était assez. Tout le monde pleurait qu'il a commencé, tu sais. Puis avant le combat, il y avait toutes les pierres tombales de celui qui avait battu à WrestleMania. Il y avait celle-là qui était préparée de Brock Lesnar, mais malheureusement. Elle n'aura jamais servi, comme on dit. Ouais. Et puis, suite aux allégations, je me demande si vraiment ce résultat-là aurait dû être fait ou pas. Ouais, il y a ça. Là, mais tu sais, bon... Ah, puis par la suite, ben tu sais, ben, il avait été aussi intronisé au temps de la renommée, si je ne m'abuse. Là, on va y aller rapidement, là, tu sais. 2022. Lors de WrestleMania 38, c'est Vince McMahon. Yes. Parce que toujours... Il a toujours dit, si tu écoutes sa biographie, il a l'air de dire que McMahon a sauvé sa carrière. Ah ouais? Ben, parce qu'à la WCW, quand il est sorti de là, il était pas. Pardon, c'est sûr. Il était nulle part. Là. Ah, McMahon il a proposé un personnage. D'ailleurs, pleurez pas les gens. Le match Undertaker contre Sting, ça s'est fait à WCW, mais en tant que Mike Collins. Ouais, c'est sûr. Oh ouais, c'était correct. Mais on aurait aimé ça, les deux côté Dark Side. Là. Yes. Ça aurait été. Ben, ça reste que, tu sais, il est quand même quatre fois champion de la WWE. Il a été... What Heavyweight trois fois. Une fois champion hardcore. Six fois champion par équipe avec Austin, Big Show, The Rock, Kane. Une méchante équipe à battre. WCW est dans le temps de l'Invasion avec Kane. Yes, là, il a gagné le Royal Rumble 2007, bien évidemment. Ouais. Comme tu disais, ben, il a été dans le Hall of Fame. Puis j'imagine qu'ils vont sûrement faire autre chose dans les prochaines années pour Undertaker. C'est tellement la grande légende de l'histoire de la lutte, j'imagine qu'ils vont... Il pourrait quasiment être un General Manager d'Undertaker. Pourquoi pas? Ben, ça serait cool. Honnêtement, ça amènerait... Mais moi, là, il faudrait qu'il l'amène dans l'équipe créative. Imagine. Ben, il est peut-être. Ouais. C'est ce que je toutes pense. Les stipulations qui. C'est sûr qu'il doit avoir donné des idées. Puis... Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr, même. Il faudrait qu'il. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Parce qu'il est proche de McMahon. Ben là, McMahon n'est plus là, mais en même temps, il était bien proche de McMahon, un peu comme Triple H. Feud of the Year 2007 contre Batista. Best Hill en 91. Ah, ça, c'est dans le Wrestling Observer, c'est pas dans le Pro Wrestling Illustrator. Most Overrated 2001. On peut-tu parler d'une affaire. On parlait de Worst Feud of the Year 93 contre Giant Gonzalez. On peut-tu parler de quelque chose qui n'a pas donné les résultats escomptés qui s'était tant attendu? C'est le Super Showdown 2019 contre Goldberg. Tout à fait. Et ce qui est de valeur, c'est que le match il avait quand même bien commencé. Ouais. Sauf que Goldberg a manqué son spear dans le coin, il s'est cogné à la tête. Puis... Il aurait fallu que le match s'arrête tant qu'il a fait le premier tombstone. Ouais. Ça aurait duré 5 minutes, mais au moins, ça n'aurait pas eu l'air fou. Ouais. Là, Goldberg était tout. T'es étourdi. Ouais, le fameux Jackhammer, c'était assez. Qui aurait pu mettre fin à la carrière de. Ben, en fait, c'est pas mal ça qui l'a. Il aurait pu le tuer, oui. Ouais, il aurait pu le tuer, même. En tout cas. J'ai jamais compris pourquoi Goldberg était en arène, mais ça, bon. Non, mais tu sais, je veux dire, ça aurait... un match de Spear et un match de Chokeslam, ça aurait été bon, là. C'est sûr. Lui, ils ont comme. Pendant Ortega, tu vois, il est en crise en bon québécois. C'est sûr. Ah, il finit avec un petit Chokeslam QQ, là. Et... Ben oui. C'est ça. Il soigne à la Montmigny un peu. Exact. Donc, ben alors, je pense qu'on a fait le tour quand même de la belle carrière de Hulk Hogan. Ben non, c'était farce. Quoi qu'il y ait une belle feud avec Hulk Hogan aussi. Yes, oui. Ou est-ce qu'à l'époque, il avait fait un tombstone
sur la chaise. Sur la chaise que Ric Flair avait apportée sur le bord de la reine. C'était un beau moment. Il l'avait pas gardé longtemps. Il l'avait gardé jusqu'à quoi, Tuesday in Texas? C'est un genre de petit mini paper show. Ouais, c'est ça. Une espèce de tabou Tuesday, mais en plus cheap. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut se rappeler aussi, dans le fond, présentement, il est avec Michel McCool. Yeah, la ravissante Michel McCool. Oui. Il y a un enfant ou deux avec, je trouve. Oui, ils font. Qu'on voit à l'occasion, des fois, dans les Rumble féminins, qu'on voit à l'occasion sur le bord de la reine, qui pour voir les spectacles. Tout ça, c'était la grande Michelle McCool. Ça fait partie quand même des divas importantes de l'histoire de la lutte. C'est un couple qui se tient. Il y a assez de tricherie d'un couple à WWE, mais ça, c'est un couple qui se tient. Ils sont mariés depuis une couple d'années. Oui, tout à fait. Quoi, 2013-2014, dans ce coin-là? C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pense qu'on a fait pas mal le tour de Undertaker et de... Bon, c'est ça qu'on pourrait en parler pendant... On pourrait faire un film, là, on pourrait... Ouais. Un biopic sur Undertaker. Ouais, ça serait cool. C'est comme ils ont fait, c'est Von Erich, mais sur Undertaker. Moi, je suis le premier à aller voir ça. Ah, c'est ça. En crise de payer 50 piastres. Super, bon, j'espère que vous avez apprécié ce moment de détente avec mon ami Ben et moi-même sur... Le fameux Undertaker qui est trippé en Chris. Et on se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Merci. Au revoir.